hyper vitesse. La nouvelle vague est arrivée. Quoi, voici bébé. Cœur pur, âme forte, il ne laisse pas tomber. Le seul, unique bébé. Tour, tour, vers la victoire. Tour, tour, t'as pas la vitesse. Hyper vitesse. C'est une nouvelle génération. Tous ensemble pour une même passion. Plus rapide et plus fort. Si tu joues bien, tu gagnes sans effort. Tour, tour, vers la victoire. Un plan, il va de l'avant, dominer, avancer, jamais reculer. C'est pas facile d'aller à la chanson, mais quand j'y arrive, c'est que tu t'es donné à fond. Hyper vitesse, voici le seul but de Beyblade. Dans le dernier épisode de Beyblade, on dispute le tour préliminaire de la Neo Ultime Bataille et les combats s'enchaînent. Yoshio et sa toupie golem ne font qu'une bouchée d'Akuya et de son gargoyle. Et Yoshio accumule les points. Pendant ce temps, Kira et sa toupie Behemoth l'emportent contre Eight et son Orochi, ce qui met Kite, le frère de Eight, dans une colère noire. Kite promet que lors du prochain tour, il se vengera du sort que Kira a infligé à son petit frère. Au même moment, d'autres bladers de l'AMBB et de la TNA continuent de jouer leur place dans la compétition. Des bladers comme Siro, Sakio, Takanosuke, Ren et Shinobu se battent de toute leur force pour arriver en phase finale. À la fin, tout le monde se réunit pour apprendre qui sont les 8 concurrents qualifiés pour le prochain tour du tournoi. Alors sans attendre une seconde de plus, veuillez accueillir les 8 bladers qui ont réussi à venir à bout du tour préliminaire et se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce grand tournoi. Attention, les voici! La foule est en délire. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh non! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Et maintenant, le fondateur et organisateur de la Neo Ultime Bataille, le directeur de l'AMBB, Tsubasa Ohtori, va vous adresser quelques mots. Chers bladers qualifiés pour les quarts de finale, vous tous qui vous êtes joints à nous aujourd'hui, et vous qui nous regardez en direct depuis votre salon, écoutez-moi! Les malheurs de Nemesis sont loin derrière nous. Et le moment est venu pour nous d'organiser un nouveau tournoi. Enfin, les bladers des quatre coins du pays peuvent à nouveau se rassembler pour montrer les progrès qu'ils ont faits et éprouver leur force. Chers bladers, le premier chapitre de la nouvelle histoire du Beyblade s'ouvre aujourd'hui. Devant vos yeux, le Beyblade va renaître et connaître un nouvel âge. C'est pourquoi, en cet instant solennel, je déclare officiellement le premier tournoi Neo Ultime Bataille ouvert. Ça commence. Y a pas à dire, Tsubasa est vraiment devenu un directeur exemplaire. Oui, ça tu l'as dit. Cette fois, ça y est. Et oui, et je peux te dire que j'ai hâte de commencer. Et maintenant, nous allons débuter les quarts de finale de la Neo Ultime Bataille en annonçant l'affiche de la première rencontre. Le premier quart verra s'affronter Yoshio Iwayama et Shinobu Iryuin. Montre-lui ce que tu sais faire, Shinobu. Ça, tu peux y compter. C'est pas un bladeur de la DNA qui va m'éliminer, je peux te le garantir, Zero. Je t'attends dans le camp des demi-finalistes. Tu vas y arriver, Shinobu! Allez, envoie-moi ce Yoshio hors du stadium! Voilà, ça a commencé. On compte sur toi, tu vas gagner, Yoshio! Golem est la plus forte des toupies défensives. Ne va pas croire que tu auras droit à la même bataille que Zero Kurogane. Tu n'es pas le seul à t'être entraîné pour les phases finales du tournoi. Tu ne me fais pas peur. Alors, lequel de ces deux bladers remportera le premier quart de finale? Peut-être Yoshio? À moins que ce soit Shinobu. On y va. 3, 2, 1, hyper vitesse. Salamander se lance immédiatement dans une série d'attaques de barrage. Encore cette tactique. J'ai bien l'impression que tu essaies d'épuiser l'endurance de Golem petit à petit. Dommage pour toi, ça ne fonctionnera pas. Parce que cette fois, je ne vais pas attendre que Golem entame son endurance pour mettre fin à la rencontre. Golem! Les
les attaques ultra-lourdes de golems sur Salamander se suivent les unes après les autres. Allez, écrase-le! Shinobu, Salamander! Wow! Salamander se démultiplie! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sa rafale de feu fantôme! Ton petit tour de magie ridicule ne fonctionnera pas contre moi, tu entends? T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je l'avais bien dit, pourtant. Tu n'es pas le seul à t'être préparé pour cette compétition. Tu comprends maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Ce n'est pas la rafale de feu fantôme. C'est bientôt fini, Yoshio. Coup spécial! Rafale du cercle infernal! Sorti du stadium! Le vainqueur est Shinobu Eryuin! Super! Shinobu a gagné! Génial! Superbe combat, Shinobu! Oh, je me demande quand Shinobu a bien pu apprendre ce coup spécial. C'est pas vrai! Comment il a pu perdre? Quel incapable! Maintenant qu'il est éliminé, nous n'avons plus personne pour remplacer Kira. C'est une catastrophe. Ne t'inquiète pas. Nous avons formé Kira pour qu'il devienne le plus fort de tous les Bladers. Il n'a pas besoin de remplaçant pour remporter ce tournoi. Tu n'as pas à t'en faire. J'ai hâte d'assister à la scène. Très bien! Et maintenant, passons au deuxième combat! Nous allons voir Kira Ayama contre Kite Unabara! J'affronte Kira? C'est précisément l'adversaire que je voulais. Tu vas gagner! Donne-toi à fond, Kite! Hé! Hey! Que je sache, on ne nous a pas interdit d'utiliser de toupies synchromes en phase finale, n'est-ce pas? Des toupies synchromes? C'est bien ça! Je veux que tu prennes Golem Behemoth! Je ne te laisserai pas t'en tirer après ce que tu as fait à mon petit frère lors du tour préliminaire, est-ce que c'est bien clair? Hate et moi, nous sommes inséparables! Je jouerai contre toi avec l'Orochi Date et j'infligerai une défaite à ton Behemoth et au Golem de Yoshio! Crois-moi, tu n'es pas prêt d'oublier cette leçon! Frérot! Oui, je comprends. Ça ne pose pas de problème. De toute manière, je suis sûr de gagner. En fait, avec ma toupie synchrome, je mettrai fin à cette rencontre encore plus rapidement. Tu parles beaucoup trop, ça en devient lassant. Mais je vais te fermer ton clapet. Eight! Ouais, frérot! Tiens, attrape Kite! Yoshio! Oui, maître Kira! Vous avez entendu? Les deux concurrents ont décidé de faire de ce quart de finale une bataille synchrome! Qu'est-ce que vous dites de ça? Allons-y, Kira! 3, 2, 1, hyper vitesse! En avant, Orochi Léviathan! Wow! Les offensives se succèdent. Orochi Léviathan continue d'attaquer Golem Behemoth encore et encore. J'ai analysé toutes les données de Golem Behemoth. Par conséquent, tu n'as plus aucune chance. Je vais mettre fin à ce combat en remportant une victoire parfaite. Ah, si tu es si intelligent, tu devrais déjà savoir que la roue de combat parfaitement circulaire de Golem Behemoth lui permet de repousser toutes les attaques. Si tu continues de lancer ta toupie contre la mienne, tu finiras tout simplement par être à court d'endurance. Bien vu, et je serais du même avis que toi si nous étions dans le stadium bizarre que vous avez construit. Mais nous sommes dans un stadium cyclone parfaitement authentique. Ma toupie ne finira pas comme celle de Jiro. À toi, Orochi Léviathan! Wow! Quelle vitesse de rotation impressionnante! C'est un véritable tourbillon! Golem Behemoth est aspiré vers le centre du stadium! Je comprends maintenant. Toutes les attaques en début de combat ne t'ont servi qu'à gagner le centre du stadium, n'est-ce pas? Tu voulais atteindre cet endroit depuis le début, je me trompe? Tu t'en es rendu compte trop tard, Kira! Même le grand golem Behemoth n'en sortira pas indemne lorsque ce coup l'atteindra! Tu tiens le bon bout, frérot! Continue comme ça! Et maintenant, tu vas gentiment me rejoindre en bas! Très bien, puisque tu insistes! Quoi? Ah! Oh, il se sert de la force du courant pour prendre de la vitesse! Comment est-ce possible? Bien entendu, en accélérant, je multiplie par deux ma puissance d'attaque!
Alors, dis-moi, tu crois que tu vas pouvoir encaisser ce coup? Coup spécial, marteau de Kaya! Je n'abandonnerai pas! Coup spécial, tourbillon écrasant! C'est pas vrai! Orochi Léviathan a été éjecté du stadium! Le vainqueur du deuxième quart de finale est Kira Ayama, mesdames et messieurs! Ouais! Frérot! Tu vois, je t'avais dit que ça irait vite! Oh, j'arrive pas à le croire! Ça a recommencé! Oh, Kite! Vous avez vu? Bien joué, Kira! C'est génial, non? Les rencontres endiablées de la Neo Ultime Bataille continuent! Et maintenant, il est temps de passer au troisième combat! Captain Arrow contre Sakio Kurayami! C'est au tour de Captain Arrow? Je me demande quel genre de blader il peut bien être. C'est parti! Que le troisième quart de finale commence! Nous revoilà! La phase finale du tournoi reprend immédiatement. Passons au troisième quart de finale! Captain Arrow contre Sakio Kurayami! Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Captain Arrow! Je suis un soldat au service de l'amour et de l'amitié. Et lui, c'est mon ami et coéquipier, Archer Wyvern. Archer Wyvern? Encore une toupie qui n'est pas fabriquée par l'AMBB. Celle-là aussi. Ça veut dire que ce blader est... Ça signifie qu'il fait partie de la DNA, oui. Eh bien, allons-y. À présent, je vais te montrer le pouvoir de la justice. Vas-y, Sakio. Tu peux le sortir du stadium en un seul coup. Allez, c'est parti. Que le troisième quart de finale commence. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, hyper vitesse! Une toupie à rotation inversée. Ah! Wyvern! Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le pouvoir de la justice aurait atteint ses limites? Qu'est-ce que tu dis? Devant la justice, qu'on utilise une toupie à rotation inversée ou non ne fait aucune différence! Regarde bien! Le coup spécial de la justice! La tornade d'Arrow! Wow! Wyvern est un guerrier du vent! À l'abri dans sa tornade, il est invincible! Oh wow. Non! Sakio! Tu as vu? Voilà le pouvoir de la justice! Je comprends! Cette roue de combat en forme d'aile modifie les courants aériens et crée une tornade! Ça fait penser au rugissement tempétueux du lion. Comparé au rugissement tempétueux du lion de Kyoya, cette chose n'est qu'une petite brise dans une cour de récréation. Tu as rendez-vous avec la justice, l'ami! Attaque de la tornade! Le tourbillon de Wyvern pousse Dragoon jusqu'au bord du terrain! Ce vent est-il assez puissant pour pousser Dragoon hors du stadium? Ne te laisse pas faire, Sakio! Tu résistes assez bien à mes attaques, mais cette fois, c'est la fin! Tu n'es qu'un lâche, incapable d'affronter qui que ce soit sans la protection du vent. Tu parles d'un soldat de la justice. Répète ça! À toi, Dragoon! Qu'est-ce que c'est? Regardez! L'impitoyable Dragoon s'est frayé un chemin à travers le tourbillon de Wyvern! En avant! Dragoon! Ah ah ah. L'attaque de Dragoon a heurté Wyvern de plein fouet! Le stadium est secoué dans tous les sens! Wyvern a cessé de tourner! Oh non! La justice l'emporte toujours normalement! Le vainqueur est Sakio Kurayami! Non! Ce super-héros à la noix ne pouvait pas jouer correctement! Il faut reconnaître que ce garçon a toujours été le plus étrange de nos bladers. On savait à quoi s'en tenir dès le début, pas vrai? Le sort des autres n'a aucune importance tant que Kira est encore en jeu. Pour tout dire, je l'ai trouvé distrayant, ce combat. Tu as été génial, Sakio! Il ne reste plus qu'un seul combat avant que le dernier carré de la Neo Ultime Bataille ne soit au complet. Le dernier quart de finale du tournoi opposera donc... Zero Kurogane et Takanosuke Shishia! Oh.
C'est enfin à Zero d'entrer en piste. Montre-lui ce que tu sais faire, Zero. Nous avons enfin l'occasion de nous affronter, Zero Kurogane. Ça fait une éternité que j'attends ce moment. Takanosuke, tu dois te donner à fond. Surtout ne retiens aucun de tes coups, d'accord? Compte sur moi. C'est parti, Zero. 3, 2, 1, hyper vitesse! À l'attaque, Ifrit! Pas de quartier, Archer Griffin! C'est pas mal du tout, Takanosuke! Tu as vraiment une puissance incroyable! Avoir la chance de jouer contre un tel adversaire devant autant de monde, c'est extraordinaire! Mais écoute-moi bien! C'est moi qui remporterai cette rencontre! À présent, Griffin passe à l'offensive! Si Sakyo réussi à te battre, alors moi aussi j'en suis capable! Zero Kurogane, j'ai bien l'intention de te vaincre et de rejoindre Sakyo en demi-finale au sommet du monde des Bladers! En avant, Ifrit! Je vais devoir tout miser sur ma puissance d'attaque. C'est parti! Regardez, Zero a enclenché sa technique imparable! Je me demande si elle va marcher. Mauvaise décision, Zero. Désolé, mais ce genre d'attaque n'a absolument aucun effet sur mon Griffin. Oh, Ifrit, non! Griffin s'est aussi servi de ses déplacements étranges pour éviter les attaques de Phoenix lorsque je l'ai affronté. Tu as raison, Ren. Maintenant, c'est à moi de tenter un coup. Allez, en avant, Griffin! Ifrit! Je ne peux plus prédire les mouvements de Griffin maintenant! Attends, tu vas voir, Sakyo! Je vais te rattraper à toute vitesse. On se rejoindra pour la bataille finale. Et alors on verra lequel de nous deux est le plus fort. Je vise toujours le sommet! Ce que je veux, c'est être le numéro un de tous les Bladers! Je ne l'aurais pas mieux dit, Takanosuke! Je ressens ton envie de gagner et ta passion pour le Beyblade jusqu'au plus profond de mon cœur. Cela dit, je ne peux pas me permettre de perdre moi non plus, tu comprends? Je dois respecter cette promesse que j'ai faite il y a très longtemps. Je dois à tout prix surpasser les Bladers légendaires. Telle est ma mission et j'ai bien l'intention de l'accomplir. Essaie d'être plus fort. Fonce, Ifrit! Tu m'as prouvé ta passion pour le Beyblade, je vais te rendre l'appareil. J'ai vu tes attaques imprévisibles et tu vas goûter aux miennes. Quoi? Cette fois, c'est parti! Attention! Coup spécial, uppercut brûlant! Ah! Oh non! Griffin! Oui! Cette fois, c'est bon! Est-ce déjà fini? Perdre? Je vais perdre! Non, pas question! Ce n'est pas encore terminé! N'abandonne pas! Tu vas y arriver, Griffin! Non, mais je rêve! Oh, wow. C'est fou! Griffin est parvenu à survivre à l'uppercut brûlant d'Ifrit! Et ce n'est pas tout! Il a contre-attaqué! Qu'est-ce que c'était? Oh, je sais! Peut-être que si j'utilisais... Si j'utilisais cette zone, je pourrais m'en sortir! Ça pourrait marcher! Griffin! On ne peut pas gagner si le moindre danger vous terrorise. Regarde-moi attentivement, Zero. Je m'apprête à lancer mon coup spécial suprême. Comment? Ton coup spécial suprême? Griffin se dirige droit vers la sortie, mes chers amis. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Fonce! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique au bord du stadium? J'ai compris. Takanosuke se sert des bords extérieurs pour bondir à travers le stadium. Sa toupie se déplace en décrivant un triangle. Vas-y, coup spécial, lame Delta! Non, pas ça! C'est pas vrai, ne me dites pas que ce coup n'était pas suffisant. Cette fois, on n'est pas passé loin. Il a mis au point ce coup spécial à l'instant et en plein milieu d'un quart de finale aussi disputé. Et s'il avait commis la moindre petite erreur, sa toupie serait sortie du stadium, c'est certain. Tu es un Blader extraordinaire, Takanosuke. Toi aussi. Je suis pas sûr que Griffin ait assez d'endurance pour supporter un nouveau coup spécial. Tout va se jouer lors de la prochaine attaque.
Cette fois, on y va, Zero! Je t'attends, Takanosuke! Coup spécial! Lame Delta! Coup spécial! Uppercut brûlant! Les toupies luttent! Coup spécial contre coup spécial! Laquelle des deux va l'emporter? Je refuse de perdre ce combat! Ifrit! Griffin! Nous avons un vainqueur! C'est Zero qui gagne la rencontre, chers spectateurs! Génial! J'ai réussi! J'ai gagné le combat! Je suis rassurée, on a frôlé la catastrophe! J'arrive pas à le croire, j'ai perdu! Eh bien, le dernier carré est maintenant au complet! À présent, nous allons assister aux demi-finales de la Neo Ultime Bataille!